va essayer d'avancer. Là, on va voir la dernière formule dont on n'a pas encore parlé sur la propriété 1, qui est la séparation en termes pair-impair d'une somme. Alors, c'est un truc un peu particulier. Il faut repérer quand c'est le cas. La formule que je vous ai écrite au tableau, encore une fois, ça sert quasiment à rien de l'apprendre. Sinon, il faut en apprendre 30 différentes. Parce que là, je vous ai mis une somme qui commence de 1 jusqu'à 2n à gauche. Des fois ça commencera à 0, des fois ça ira jusqu'à 2n plus 1, des fois, enfin, il y aura plein de variantes de cette formule-là. Il faut comprendre l'idée. L'idée c'est quoi? C'est, déjà, il y a deux idées dedans. La première idée, on la connaît déjà. Un terme pair, vous devez savoir qu'un terme pair peut s'écrire toujours, si on doit l'écrire, 2k. Un terme impair, si on doit l'écrire, on peut toujours l'écrire 2k plus 1, c'est un terme pair plus 1, un terme impair, on est bien d'accord. Donc cette notion-là, pour écrire un terme pair ou un terme impair, vous devez déjà la connaître. Maintenant, quelle est l'idée? L'idée, c'est quand vous allez avoir une séparation pair-impair à faire, et ça va se voir dans certains exercices, vous aurez toujours une somme qui va aller jusqu'à... Alors ça dépendra des indices, ça dépendra d'où ça part, mais moralement, les bornes du haut, ça va être 2n moins 1, 2n ou 2n plus 1. Ça va être quelque chose en 2n, quoi. À partir de là, on va pouvoir décomposer proprement quel est le nombre de termes pairs et le nombre de termes impairs dans la somme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, par exemple, dans mon exemple, ma somme, elle va de k égale 1 jusqu'à 2n. Elle contient donc, et ça vous devez savoir quel est le nombre de nombres, qui est le nombre de uk qu'il y a dans ce calcul, parce que c'est tout simplement le nombre de fois où on compte la somme des 1. Compter le nombre de termes, c'est compter à chaque terme un 1. Donc vous devez savoir que c'est borne du haut moins borne du bas plus 1. Donc on est bien d'accord que cette somme, elle contient 2n termes. Puisque dans une somme, tous les termes sont successifs. Si elle contient 2n termes, elle contient forcément combien de termes pairs et combien de termes impairs. C'est complètement logique. Elle en contient forcément n de chaque. Mais c'est ça qu'il va falloir réfléchir parfois. Imaginons que maintenant je vous mets une somme. Hop. Si je vous mets maintenant une somme qui va de k égale 0 jusque 2n, cette somme-là contient 2n plus un terme. Et là, il faut réfléchir un peu plus. Combien a-t-elle de termes pairs et combien a-t-elle de termes impairs? Puisqu'elle commence à 0, elle commence par un terme pair. Puisqu'elle finit à 2n, elle finit aussi par un terme pair. Donc puisqu'il y a 2n plus un terme, cette deuxième somme là par exemple en bas aurait, je ne sais pas où je suis, elle aurait n plus un terme pair et n termes impair. Vous êtes d'accord avec ce principe là? C'est juste de logique. Donc il y a 2n termes et là forcément on sait qu'on en a n termes pair et forcément en même temps on en a n termes impair. Oui Hugo? C'est juste de la logique de nombre entier. Quand tu as 2n nombres d'affilée, ils alternent forcément pair impair tout le temps. Donc si tu as 2n nombres consécutifs, il y en a forcément n pairs et n impairs. Par contre, si tu en prends, et c'est là tout le problème de cette somme, et c'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre de formule, si tu en as 2n plus 1 d'un seul coup, si ça commence à k égale 0, bah là, il faut vérifier lequel des deux, il y en a forcément un de plus. C'est-à-dire que si tu prends 2n plus un terme, tu as commencé par un terme soit impair, soit pair, et tu as fini par un terme de même parité, soit pair, soit impair. Donc là, il faut vérifier à chaque fois. C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas forcément apprendre de formule. Maintenant qu'on sait ça, ça veut dire que cette somme qui va de 1 à 2n, on peut la décomposer sans mettre les bornes, mais si je recopie juste ce qui est important dans la formule, on va pouvoir recopier une somme qui va de k jusqu'à n de termes pairs, c'est-à-dire des u de k. Et j'ai mis même de k jusque n, mais il faudrait que j'efface la borne du haut. C'est-à-dire de k égale quelque chose ici en bas à k, je vais l'écrire plutôt là. On va pouvoir écrire que la somme de gauche, par exemple dans la formule de base, c'est une somme pour k égale 1 à 2n des uk. Je vais pouvoir l'écrire avec une somme de termes pairs, c'est-à-dire que je sais que je vais écrire ça. Je vais écrire une somme de termes impairs. Et la dernière chose qui me reste à faire, c'est savoir comment je mets les 4 bornes de ma somme qui sont là. Et là, c'est juste de la logique sur les termes pairs et impairs. Ici, si je regarde cette somme-là, quel est le premier terme pair? Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est U2.
Quel est le dernier terme pair? C'est lui un 10 de zen. Si de l'autre côté on fait aussi le premier terme impair, ça va être U1. Et si on fait le dernier terme impair, tout à fait d'accord Kaoutar, ça fait du U2n-1. Donc maintenant, les 4 bornes qu'on doit remplir de cette somme, on doit les remplir de telle façon à ce que ça corresponde au premier terme et au dernier terme de notre somme. C'est-à-dire, par exemple, la somme des U2k, pour pouvoir faire U2, je dois commencer à k égale 1, parce que 2 fois 1, ça fait 2. Là-haut, je dois aller jusque n, parce que 2 fois n, ça fait 2n. Par contre, pour la somme des U2k plus 1, puisque pour que le terme fasse U1, en gros, moralement, il faut que je résolve l'équation 2k plus 1 égale 1, ce qui me donne k égale 0. Cette somme-là, elle commence à 0. Et pour aller jusqu'à 2n moins 1, il faut qu'en gros, je remplace k par n moins 1 ici, ce qui fait que la borne du haut, c'est n moins 1. Deuxième indice. Si vous avez trouvé, par exemple, la borne du bas à 0, on sait instantanément que la borne du haut, c'est n moins 1. Parce qu'on a dit qu'il y avait combien de termes impairs? On a dit que dans cette somme-là, il y en avait n. Donc on sait qu'on pour faire n termes, on doit aller de 0 à n moins 1. Nombre de termes. Enfin, c'est encore une fois le calcul de la somme des 1. Donc il y a 36 façons pour avoir les bonnes bornes de cette formule. Quand est-ce qu'on s'en sert de cette formule? Bah, c'est des questions très particulières de sujet, assez techniques, mais qui sont pour moi évidentes, c'est-à-dire qu'en général, vous n'avez pas de mal à avoir l'idée de « Ah bah là, faut faire une séparation pair-impair ». Par contre, quand il faut la faire, il n'y a plus grand monde. Donc on va faire un exo tout de suite pour voir comment ça peut servir et quels sont le genre de questions. Parce que c'est pas juste faire une décomposition pair-impair, il y a des petits calculs autour à faire. Mais on peut voir que l'idée sort naturellement. On va faire quoi? Alors je vais repartir dans le poly, j'ai mis des exos sur cette notion-là quelque part. Notamment il y en a un qui est assez propre et un peu technique quand même, c'est plutôt pas mal. Je l'ai mis où? Il est là. C'est l'exercice 9. C'est une petite question de concours. Hop, je vais le remettre sur l'autre page. Hop. Alors regardez justement, on vous demande de montrer que pour tout n appartenant à grand n, la somme des 1 sur 2k moins 1, c'est la somme pour k égale 1 à 2n des 1 sur k, moins la somme de 1 à n des 1 sur 2k. Moralement, il y a des sommes qui vont de 1 à n, il y a une somme qui va de 1 à 2n, c'est typiquement un cas de séparation pair-impair de sommes. Donc ce que vous devez repérer dans cet exercice, c'est quelle est la somme avec les plus grands indices, donc c'est celle-ci. Donc c'est sur cette somme-là qu'on doit essayer de faire une séparation de termes pair-impair. Donc pour montrer cette chose-là, on dit juste sur une feuille si on veut le résoudre, cet exo c'est assez facile. On utilise une séparation pair-impair. Et là, il faut juste faire un truc correct. On a la somme pour k égale 1 à n. On peut le faire en deux temps selon ce qui vous va. Mais si on prend la logique que j'ai dit, on va faire une petite erreur et faire un petit calcul en plus. Mais c'est pas très très grave. On a dit que les termes pairs, c'était u2k. Donc je vais clairement faire une somme qui va de 1 à 2k. Et on a dit que les termes impairs, c'était du 2k plus 1. Alors ici, je fais une remarque tout de suite. On pourrait gagner du temps, il faut que vous y pensiez, un terme impair, ça va s'écrire 99% du temps 2k plus 1. Mais ici, dans la situation où on est, regardez la formule qui est proposée par l'énoncé. Il vaudrait mieux l'écrire ce terme impair pour une fois, 1 sur 2k moins 1, parce que c'est ce qui est écrit dans la formule de réponse. Et 2K, si 2k plus 1 est un terme impair, 2k moins 1 est aussi un terme impair.
Donc si vous pensez à l'écrire en 2k-1, vous gagnez une étape de calcul et on va pas vous embêter avec ce détail-là. Oui Théo ? Si c'est 2n, j'ai oublié de je l'ai mal recopié, mais si on part de, j'ai dit qu'on partait de, j'ai encadré ce dont quoi on partait et j'ai oublié d'écrire le 2n en haut. Non, on part de 2n, on part bien de ce que j'ai recopié là, c'est le même rectangle noir. Et donc on sait que ça va être une séparation paire-impaire. Donc maintenant qu'on sait qu'on va écrire quelque chose comme ça, par exemple comme la première somme, encore une fois, la seule logique qu'il y a, c'est quel est le premier terme pair et quel est le dernier. Le premier terme pair, on est bien d'accord que pour nous, c'est pour k égale 2 ici. Le dernier terme pair, c'est quand k vaut 2n. Donc cette nouvelle somme, pour arriver à faire du k égale 2 à partir de la formule en 2k, ou plutôt, je devrais plutôt dire ça. Ça va pas. C'est pas assez clair pour vous. Vous n'allez pas savoir le refaire si je vous mets du k égale 2 et k égale 2n. Ce que je devrais dire, c'est que le premier terme pair, on est bien d'accord que dans cette somme-là, c'est 1 demi. Et que le dernier terme pair, c'est 1 sur 2n. Ça vous parlera plus. Et donc maintenant, pour trouver la borne du bas ici, qu'il faut résoudre de tête sans perdre trop de temps. Hein. Mais ce qu'on doit donc résoudre, c'est 1 sur 2k, on veut que ce soit égal à 1 demi. Je vais pas passer 107 ans à résoudre ça, vous devez tous voir que ça fait k égale 1. Pareil pour la borne du haut, si je fais un rond bleu, il faut résoudre 1 sur 2k égale 1 sur 2n. Vous devez tous voir que ça fait k égale n pour là-haut. Et à l'inverse, si je pose du 2k plus 1 et du 2k plus 1 comme je l'ai fait là, je dois chercher le premier terme impair et le dernier. Le premier terme impair ici dans ma somme qui est là à gauche, hein, c'est 1 sur 1, on est bien d'accord. Le dernier, c'est 1 sur 2n moins 1. Et donc ce que je dois résoudre, si je fais ma somme en noir, je dois résoudre pour cette borne là, je suis où? Pour la borne qui est là, je vais faire une petite flèche pour me mettre en dessous, mais je dois résoudre 1 sur 2k plus 1 égale 1 sur 1, ce qui me donne k égale 0. Et pour la borne du haut, ce que je dois résoudre, c'est l'équation 1 sur 2k plus 1 égale 1 sur 2n moins 1, ce qui me donne du n moins 1 ici. J'en profite pour la version qui fait gagner du temps. Si vous avez pensé à mettre la somme des 1 sur 2k moins 1 à la place de ce terme-là, hein, il y aurait un sigma ici, un sigma avec k qui varie entre deux valeurs. J'ai la même logique, j'ai juste un tout petit peu plus vite. J'aurai deux équations à résoudre. Il faut d'un côté que 1 sur 2k moins 1, ça fasse 1. Et dans ce cas-là, la borne du bas, ça fait, enfin, ça fait 1 sur 1. Pour résoudre ça, il faut que dans ce cas-là, j'espère que vous le voyez, que c'est pour k égale 1 que ça marche. Donc la somme irait pour k égale 1. Et ensuite, la deuxième est plus facile à résoudre. Il faudrait que 1 sur 2k moins 1, ça fasse 1 sur 2n moins 1. Et donc ça donne bien comme borne du haut n. Soyons clairs, si vous avez utilisé la somme rouge plutôt que la somme noire, mais ce que je doute que vous fassiez naturellement, pour obtenir le résultat de l'exercice 9, il n'y a plus qu'à rééquilibrer l'équation. Et on a fini. Si vous utilisez la somme noire, en plus de rééquilibrer l'équation, il va falloir décaler les indices. Donc on va plutôt faire cette étape-là en plus pour obtenir la forme de l'énoncé. Donc voilà ce que j'obtiens. Moi maintenant, je vais repartir de celle-ci. Je vais repartir de celle qui est en noir ici. Je vais la réécrire plus au propre parce que là, j'ai encadré plein de trucs. C'est pas propre, enfin c'est pas clair. Ça fait ceci comme formule. J'ai écrit mon sigma n'importe comment, mais c'est juste de la recopie. C'est juste pour avoir une forme résumée de la formule. C'est juste de la recopie, k égale 0 à n moins 1 des 1 sur 2k plus 1. Je vais essayer d'isoler comme veut le... Ah, je suis en bas de page.
Ce que fait le sujet, c'est qu'il isole dans un terme ce terme-là, mais décalé. On va l'isoler. Donc pour l'isoler, je vais faire à cette somme moins somme pour k égale 1 à n des 1 sur 2k. Ce qui va me permettre d'écrire à gauche, en retournant aussi l'égalité, somme pour k égale 0 à n moins 1 des 1 sur 2k plus 1 est égal à somme pour k égale 1 à 2n des 1 sur k moins la somme pour k égale 1 à n des 1 sur 2k. Ah, voilà. On a bien rééquilibré l'équation comme il faut. L'idée maintenant pour ce membre de gauche, pour avoir la bonne formule, c'est qu'il faut remplacer le 1 sur 2k plus 1. On va plutôt vouloir du 1 sur... Est-ce que vous êtes d'accord qu'on voudrait remplacer ce 1 sur 2k plus 1 pour avoir la formule de l'énoncé? Je remonte pour avoir l'énoncé. L'énoncé, le membre de gauche, c'était du 1 sur 2k moins 1, mais je rappelle que k est une variable muette, il suffit d'avoir n'importe quelle lettre qui varie avec la même expression. Donc pour ce terme-là, on veut du 1 sur 2j moins 1. Oui, Paul? Ah non. Non, non, non. Si je l'écris en 2k plus 1, l'équation que je dois résoudre, c'est 1 sur 2k plus 1 égale 1. Et donc je dois résoudre cette équation. Quelle est la valeur de k qui permet de faire ça? Si t'injectes k égale 0, c'est pas très très compliqué. Oui, c'est dans l'autre cas que ça va de 1 à n. Et c'est pour ça qu'on aurait eu la formule directe. Donc si vous aviez pensé à faire en 2k moins 1, ça marche direct. Ah, oui, Louis? Parce que l'énoncé, il écrit une terme. Il y a trois sommes, une qui va jusqu'à 2n et deux qui vont jusqu'à n. Dès qu'il y a ça, c'est une séparation paire-impair. Et il n'y a que cette formule-là, il n'y en a pas d'autre à apprendre, c'est juste ça. Et c'est toujours quand il y a une somme qui va jusqu'à 2n et des sommes qui vont jusqu'à n. Donc en général, la repérer, la séparation paire-impair, c'est pas dur. C'est la faire techniquement, il faut savoir la faire. Oui, Simon? Oui, pour pouvoir faire la séparation paire-impair, là, il n'y a pas de... d'arnaque, on peut gagner une ligne avec châle ou quoi, il faut partir du membre qui va jusque 2n et le séparer en deux termes en plus, et après on rééquilibre. C'est déjà trop technique pour avoir les bonnes bornes, les bons termes, etc., pour essayer de faire trop d'étapes en même temps. Donc comme je l'ai dit, ce qu'on cherche à faire, est-ce que vous êtes bien d'accord, c'est d'essayer de remplacer le 2k plus 1 par un 2j moins 1. Alors soit vous le voyez en visuel, soit si vous pensez à faire ça, il suffit de résoudre la petite équation. Ça c'est équivalent, je vais passer en bleu, on va repasser en noir peut-être, à dire que je veux que 2j moins 1 ça fasse 2k plus 1. C'est équivalent tout simplement, si je mets si je veux exprimer ça comme ça, à ce que j ce soit égal 2j ce soit égal à 2k plus 2. J'ai juste fait plus 1 des deux côtés, et donc ça c'est équivalent à poser j qui vaut k plus 1. C'est logique de poser j égale k plus 1 aussi pour une autre raison. Les bornes de l'énoncé qu'on voulait obtenir, ça allait de 1 jusque n. Et pour le moment, ce qu'on a, c'est des bornes qui vont de 0 jusque n moins 1. Donc décaler de un cran vers le haut pour avoir les bonnes bornes, c'est logique. Mais là, on vient de comprendre que si on le fait, tout va bien se passer. Donc si je pose à gauche j égale k plus 1, je me retrouve avec la somme pour k égale 1 à n des 1 sur 2j moins 1. J'ai fait tous les calculs pour m'en rendre compte. Pas k, ça commence pas à k du coup, excusez-moi. Ça commence à j égale 1 à n des 1 sur 2j moins 1 qui est égal à ceci. Ceci pour moi est une réponse valable. Si vous avez vraiment besoin d'une ligne supplémentaire, je vous rappelle juste que la variable j ou la variable k est une variable muette. Donc ceci, c'est vraiment exactement la même chose qu'écrire la somme pour k égale 1 à n des 1 sur 2k moins 1. Et je recopie pas le membre de droite, c'est exactement la même chose. Oui, Hugo. Pourquoi on remplace trop absolument l'équation de j?
pas moi qui demande l'énoncé, je vous assure que ça c'est une question intermédiaire d'un sujet de concours. L'idée c'est juste qu'il faut arriver à obtenir la formule de l'énoncé. Voilà, c'est parce qu'on a du 2k plus 1. Bah tu t'avais juste qu'à rééquilibrer l'équation, c'était fini en une ligne de moins, enfin en deux lignes de moins. C'était juste pour vous montrer que même si vous apprenez, et ça me paraît déjà pas mal, de dire que le terme pair c'est en 2k, le terme impair c'est en 2k plus 1, après avec les méthodes classiques on peut retomber sur les pattes sans vraiment trop de difficultés. La partie compliquée de cette formule, c'est vraiment qu'il faut, ça sert à rien d'apprendre la formule par cœur, il vaut mieux savoir quel est le nombre de termes de la somme, pour savoir combien il y a de termes pairs, combien il y a de termes impairs, et où les deux sommes commencent, et refaire des bornes à la main. Ça marchera 100% du temps, quel que soit le nombre de termes. J'ai pas ouvert l'autre poly, mais si je vais dans la partie exercice, je pense que je vous en ai mis un et qu'on le fera en TD lundi prochain. Je pense que j'en ai un quelque part ici. Regardez par exemple la question 3 du problème 2. Donc la question qui est là en bas du tableau. On a Sn qui est une somme de nombres. Bon, on s'en fiche, c'est une somme Sn. Sn c'est une somme qui va de k égale 1 à n. Et on veut vous faire écrire S2n à la question 3. Donc S2n c'est une somme qui va de 1 à 2n. Et on l'écrit en fonction d'une somme qui va de 1 à n moins une somme qui va de 1 à 2n. Je vous assure que puisqu'il y a une somme qui va de 1 à n et une somme qui va de 1 à 2n, c'est forcément une séparation pair-impair. Après, tous les calculs techniques, on les fera en TD et vous les ferez. Mais l'idée est clairement là. Maintenant, il faut arriver à faire les calculs techniques et rééquilibrer l'équation pour obtenir cette réponse-là dans la question. Et ça fait appel aux autres techniques qu'on a déjà vues sur la somme. Mais donc, on a ce truc-là qui tombe de temps en temps. Il faut savoir faire une séparation pair-impair d'une somme qui va jusqu'à 2n, 2n plus 1, 2n moins 1. Enfin, quand il y a à peu près 2n termes dans la somme. Voilà. Voilà pour la séparation pair-impair. Oui, Louis. Je l'ai mis dans... Elle est dans le poly. C'est la première chose que j'ai mis. C'est la dernière ligne de la propriété 1 du cours. Mais le problème, c'est que si vous m'apprenez ça par cœur et que dans le prochain DS, je vous mets une somme qui va de k égale 0 à 2n plus 1, vous faites comment? Enfin, si vous adaptez correctement, ça me va. Mais donc, il vaut mieux complètement avoir la logique pour pouvoir le faire dans le cas d'une somme qui va de 0 à 2n plus 1 que de... Enfin, encore une fois, hein, je repars dans le poly de cours, hein, mais... Voilà ce qu'il y a à savoir dans le programme vis-à-vis de ce chapitre. Est-ce que vous voyez écrit quelque part séparation pair-impair? Non, par contre, je vous ai bien montré un sujet de concours où il y en a une. Donc encore une fois, ce sont des techniques qu'on doit apprendre. Officiellement, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas vraiment de formule à apprendre par cœur pour le changement de variable, enfin pour le changement d'indice. Il n'y a pas de formule par cœur pour les sommes télescopiques. Les seules sommes qui sont écrites noir sur blanc, c'est les sommes de référence qui sont à gauche. Je vous ai fait apprendre celle-là et je vous l'avais dit à l'oral. Elle est marquée non exigible pour le moment au tableau, mais on aura à apprendre la variance d'une loi uniforme et ça nous fera apprendre cette formule-là aussi. Donc autant l'apprendre tout de suite, c'est un gain de temps et elle est plus facile. Mais officiellement, à part les sommes de référence, il n'y a rien à savoir. Il n'y a rien à savoir d'un point de vue formule. Ok. On a vu cette formule là, il nous reste une dernière formule sur les sommes. Encore une fois, il n'y a pas de formule à apprendre. Mais c'est la dernière chose qui peut vous être demandée. C'est ce qu'on appelle les sommes doubles. Alors sommes doubles d'ailleurs que j'ai mal fait dans le cours, enfin que j'ai mal fait, c'est tout à fait correct, hein, mais je vais rajouter quelque chose pour que vous compreniez. Notamment pour la première, la deuxième ne peut pas s'écrire comme ça. Mais la première peut se réécrire. Encore une fois, juste au cas où vous avez un énoncé un peu particulier qui vous tombe dessus, ça arrivera pas pour le moment avec moi, mais je sais pas, en colle ou dans un sujet l'année prochaine ou quoi que ce soit. Ah non, j'ai mis deux sommes doubles triangulaires. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une somme double?
Avant de parler des sommes doubles triangulaires qui sont la formule qui est là, c'est imaginons un cas plus simple. Je vous fais la somme pour i égale 1 à n de la somme pour j égale 1 à n des uij. Donc il faudrait bien sûr qu'un terme uij dépense des deux sommes. On peut arriver à calculer ce genre de double somme. C'est pas très très compliqué. Ça dépend, ça peut l'être. Oui, Kautar ? Alors, on va faire des exemples. On peut faire des exemples un peu simples ou un peu pour expliquer ça, mais juste quelque chose qui manque dans le poly et que je vous rajoute, c'est que cette somme-là, puisque de toute façon on peut inverser, on peut la noter souvent, enfin parfois on peut la noter comme ça. I variant de 1 à n, j variant de 1 à n. Donc si on vous note ça comme ça, c'est pas parce qu'il y a un seul symbole sigma. Si en dessous du symbole sigma on vous met deux lettres qui varient, c'est que c'est une somme double. Je parle un petit peu sur la différence de ces sommes doubles. Sur déjà, quand vous voyez une double somme apparaître dans un sujet, qu'est-ce qu'il faut réfléchir en premier terme sur cette somme double? La première question, c'est est-ce qu'elle est rectangulaire ou triangulaire? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une vue de l'esprit, ce vocabulaire n'est pas à connaître. C'est uniquement pour vous aider à essayer de comprendre ce qui peut se passer. Imaginons que je prends celle-là et que je veux essayer de l'écrire en trois petits points, cette somme. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai une double somme. Donc imaginons que je veux fixer mon premier terme. Je fixe i égale 1. Si je fixe i égale 1 dans ma somme, à l'intérieur de cette somme-là, il me reste une somme pour j égale 1 à n. Donc si je fixe i égale 1, j'ai la somme derrière qui reste de 1 à n. Donc le terme pour i égale 1, ça va faire u1, 1. Plus U1, 2, plus U1, 3, plus U1, 4, je ne vais pas continuer comme ça indéfiniment, trois petits points, on va aller en U1, N-1, et on va aller en U1, N. Est-ce que vous êtes d'accord, quand je fixe I égale 1, J doit prendre toutes les valeurs, et ça fait ça. Puis ensuite, si j'ai fixé ici I égale 1, I ensuite va prendre la valeur... Ben non, il ne va pas aller prendre N juste après, hein. Il va aller prendre la valeur 2. Donc ensuite je vais calculer, donc je vais ajouter, parce qu'il y a un symbole sigma à cette déjà première somme, U de 1 plus U de 2 plus, et on va aller jusqu'à U de N. Et maintenant je vais continuer, I va varier jusque N, et je vais encore ajouter plein de termes, et les derniers termes ce sera UN1 plus UN2 plus UNN. Est-ce que vous êtes d'accord sur le principe que si je mets des trois petits points, il y a tous ces termes-là à calculer, et que c'est ça qui est caché derrière le symbole somme double? Pourquoi je veux appeler cette somme double une somme rectangulaire? Si je vous fais juste un petit dessin pour comprendre, et que je fais varier sur un tableau i d'un côté, j de l'autre, je m'en fiche du sens, hein, c'est juste pour essayer de vous faire comprendre ce tableau. J'ai d'un côté i qui varie de 1 jusque n, j'ai j qui varie de 1 jusque n, et si j'essaye de mettre, donc si je fais des cases à ce tableau, et si j'essaye de mettre des croix dans ce tableau pour considérer l'ensemble des termes qui apparaissent dans cette somme, j'ai bien tous les termes qui apparaissent, c'est-à-dire que j'ai bien quelque part le terme U1, 1, j'ai bien quelque part le terme U1, 2, j'ai bien quelque part le terme U1, 3, je continue comme ça, je fais toute cette ligne-là. À la deuxième somme, j'ai bien tous les termes U2, 1, U2, 2, U2, 3, etc. Donc si j'essaye de dire quels sont les termes qu'il y a dans la somme, j'ai l'ensemble de ce tableau, qui est un tableau rectangulaire, qui est rempli. On est bien d'accord avec ça? Quel autre type de somme peut arriver dans les calculs? Bah, c'est les sommes qui sont là, et c'est pour ça que j'ai mis des formules, mais qui ne sont pas connectes, mais c'est là où il va falloir réfléchir beaucoup plus. C'est ce qu'on va appeler les sommes doubles triangulaires. Je vais en faire qu'une pour vous montrer un exemple. Par exemple, la première qui est ici dans le poly. C'est une somme où i varie de 1 à n et j varie de 1 à i. Donc faisons un deuxième exemple, je change de page. Imaginons que je considère la somme pour i allant de 1 à n de la somme pour j égale 1 à i des uij. Et que je fais la même logique. Si je calcule pour i égale 1, alors attention maintenant, je fixe i égale 1. La somme à l'intérieur, ça devient la somme pour j égale 1 à 1 des uij.
Donc en fait, quand je fixe i égale 1, ce que je calcule, c'est juste u1. Ensuite, quand je fixe i égale 2, la somme à l'intérieur, ça devient la somme pour j égale 1 jusqu'à 2 des 8j. Donc là, en fait, je suis en train de calculer u de 1 plus u de 2. Je continue. Je vais aller jusqu'à i égale n moins 1. Je vais donc faire la somme pour j égale 1 à n moins 1 des uij. Ça va me faire du un moins 1, 1 plus un moins 1, 2. Et je vais finir à u indice. Mince. N moins 1, n moins 1. Désolé, j'ai fait. Bon, je peux faire z et recommencer. Et il y a une dernière ligne où je fais pour i égale n. Ça va me faire une somme pour j égale 1 à n des uij. Et donc, je vais faire un 1 plus un 2 plus, et je vais aller jusqu'à un, alors n, n moins 1, et j'ai encore un terme derrière, un n. Si je refais mon petit tableau, bah tiens, je vais garder ça là, mon tableau, je vais le faire ici. Si je refais mon petit tableau en i et j, quand i vaut 1, j vaut 1, je fais bien le calcul, par contre, j vaut 2, je ne fais pas le calcul, on est bien d'accord ? Donc je ne le fais pas ce calcul, c'est pas un terme qui va apparaître dans ma somme. Quand i vaut 2, je fais le calcul de j1 et j2. Je fais pas les autres calculs. Quand je fais 3, je fais les 3 premiers calculs et je fais pas les suivants. Quand je vais en n-1, je fais les n-1 premiers calculs et je fais pas les suivants. Et quand je fais en n, je vais faire les n calculs, on est bien d'accord ? Le nombre de termes que j'ai en fonction de i et j, est-ce que vous êtes bien d'accord que là il est triangulaire? Et maintenant ce triangle, soyons clairs, quelle que soit la façon dont j'écris la somme, je peux l'écrire dans un sens ou dans l'autre, enfin il y a quatre façons, enfin on peut faire de plusieurs façons des triangles là-dedans. Et donc on peut écrire les sommes triangulaires de plein de façons différentes. La seule question c'est, est-ce qu'il y a tous les termes? S'il y a tous les termes, c'est une somme rectangulaire, et on va voir que les sommes rectangulaires c'est très très simple, parce que les indices ne sont pas dépendants. Par contre, si c'est triangulaire, instantanément, il faut faire une pause parce que les indices sont dépendants les uns des autres. Et là, en général, c'est un peu plus compliqué. Oui, Louis ? C'est un exemple pour vous faire comprendre la notion. Ça n'a rien de relire ça. Si vous avez compris après quand est-ce comment on va repérer, mais je vais réexpliquer d'autres choses, une somme triangulaire et une somme rectangulaire, ça va. Et encore une fois, je ne fais pas ce cours en vidéo pour que vous passiez votre temps à recopier et pas comprendre. Si c'est ça, j'arrête et on va plus vite. Donc, juste, on a compris les deux types de sommes. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on va vouloir inverser des sommes triangulaires ou des sommes rectangulaires. Imaginons, donc il ne faut pas que je vous dise des bêtises pour que ce soit simple. Non, pour que ce soit compliqué et que je vous montre quelque chose qui est simple derrière. Imaginons que je veux calculer... Donc pour que ce soit compliqué, cette somme-là. Alors, soyons clairs. Comment on va reconnaître une somme triangulaire d'une somme rectangulaire? Je vous l'ai expliqué d'un point de vue détail pour que vous compreniez mon idée. Celle-ci est triangulaire pour une raison très simple. Vous aurez une somme triangulaire dès que la somme à l'intérieur, donc il y a bien une somme à l'extérieur et une somme à l'intérieur, dès que la somme intérieure dépend de la borne. Ça, c'est la borne, enfin, pas de la borne, plutôt de dire de la borne, de la variable extérieure. Dès que la somme intérieure dépend, bah là, elle dépend de i, et là, il y a du i ici, c'est une somme triangulaire. Et quelles que soient les bornes, maintenant, j'ai mis de 1 à i, mais ça pourrait être autre chose. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je vais vous montrer un exemple qui pourrait être simple ou qui pourrait vous montrer qu'on peut entamer des calculs ou non. Imaginons que le calcul que je dois faire, c'est le calcul de la somme des i sur j. Je dois d'abord calculer j et ensuite calculer i. Donc il se passe quelque chose. C'est que, par exemple, ici, si je regarde uniquement la somme intérieure, cette somme intérieure, ce qui varie, c'est... C'est quelle variable qui varie sur la somme intérieure? C'est J. Donc, je peux faire quelque chose dans cette somme intérieure. Par linéarité, je peux faire quelque chose. Je peux... Noir.
sortir le i. Et je me retrouve avec la somme pour i égale 1 à n des i fois. Donc ça, c'est dans la somme des i. Hein. Si vous voulez, je peux refaire une double parenthèse pour bien comprendre. Et j'ai la somme pour j égale 1 à i des 1 sur j. Et là, je suis bloqué. Parce que la somme des 1 sur j, je ne sais pas la calculer. C'est pas une de mes sommes de référence. Vous êtes d'accord avec ce principe-là? Imaginons que j'avais pas la somme pour i égale 1 à n et la somme pour j égale 1 à i, mais que je vous mets le même terme général à l'intérieur, mais j'inverse mes deux sigma. Vous allez voir ce qui se passe. Imaginons que j'ai à calculer la somme pour j égale 1 à n de la somme pour i égale 1 à j des i sur j. Donc imaginons, c'est pas comme ça que ça va marcher exactement, mais c'est juste pour vous expliquer le principe. Imaginons que j'ai pu inverser mes deux sigma. Et donc d'abord fait la somme sur j, puis ensuite fait la somme sur i. Ce qui se passe, c'est que cette somme double, regardez ce qui va se passer dans ce calcul-ci. C'est que là, exactement par même principe, par linéarité, qu'est-ce qui varie à l'intérieur de cette somme-là? C'est i, donc j'ai le droit de sortir le 1 sur j. Donc ça, ça va devenir la somme pour j égale 1 à n des 1 sur j, fois la somme pour i égale 1 à j des i. Sauf que maintenant, il y a quelque chose qui a changé. C'est que la somme pour i égale 1 à j des i, on sait la calculer, c'est du cours. C'est la somme des cas. C'est juste les lettres ont changé, mais c'est la somme des cas. Donc ça, maintenant, ça devient la somme pour j égale 1 à n des 1 sur j fois j, j plus 1 sur 2. C'est une formule de cours. Hein. Ah, maintenant, j'ai du j, j plus 1 sur 2 et j'avais du 1 sur j. Bah, le j qui est là se simplifie avec le j qui est là, et je me retrouve à devoir calculer la somme pour j égale 1 à n des j plus 1 sur 2, et ça, je vous assure que vous savez le calculer. On utilise la linéarité, on sépare la somme en deux, on a directement la réponse, ou on fait un décalage d'indice pour poser k égale j plus 1, et ça va marcher aussi bien. Donc il y a plein de façons de calculer cette somme, et on peut la calculer. Si on la garde dans l'autre sens avec les sommes dans l'autre sens, ça ne se calcule pas parce qu'on ne connaît pas la somme des 1 sur j. Donc, voilà le genre de situation où on va avoir envie d'inverser les symboles de double somme quand ils vont apparaître. Et donc, très souvent, quand on va vous demander de calculer une double somme, c'est parce qu'elle ne se calcule pas dans le sens où on vous la propose, mais qu'elle se calcule très bien dans l'autre sens. Alors, ce problème de « on ne sait pas la calculer dans un sens, il faut la calculer dans l'autre sens » ne se posera que pour les sommes triangulaires. Parce que si vous avez une somme rectangulaire, les deux indices n'étant pas dépendants l'un de l'autre, on a parfaitement le droit d'inverser les deux sigma sans réfléchir. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut être une formule que vous pouvez apprendre, mais elle ne sert pas à grand chose. On sait, quand on a une somme rectangulaire, que si je veux faire la somme pour i égale 1 à n, et la somme pour j égale 1 à n, des uij, je peux aussi très bien faire sans réfléchir la somme pour j égale 1 à n d'abord, puis ensuite, je peux pas mettre les indices là, puis ensuite mettre la somme pour i égale 1 à n des uij. Ça, c'est la même chose. Il n'y aura jamais le moindre problème pour inverser deux sommes rectangulaires. C'est pas le cas pour les sommes triangulaires. Pour les sommes triangulaires, il va falloir inverser ces deux sommes, mais puisque la borne intérieure dépend de la borne extérieure, on ne peut pas le faire gratuitement. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que moralement, vous ne pouvez pas juste inverser ce symbole-là avec celui-ci, parce que ce symbole dépend de i. Comme il dépend de i, il n'a pas le droit de sortir de la somme en i. Donc, entre guillemets, on n'a pas le droit d'inverser les deux sigma comme ça. Donc il faut une méthode pour pouvoir inverser les sommes triangulaires. Alors je vais remonter sur mon exemple qui est là-haut, pour vous expliquer comment ça marche. Imaginons ici, je vous avais écrit la somme pour i égale 1 à n de la somme pour j égale 1 à i. Donc en fait, je somme d'abord sur i, et ensuite... Donc moralement, c'est comme si je lisais mon tableau, je somme sur i, et vous êtes d'accord, en fait, mon tableau, je l'ai lu comme ça. Eh
Est-ce que vous êtes d'accord? Bah, moralement, inverser les sommes doubles et arriver à trouver une formule pour ce même calcul qui va d'abord faire la somme sur J, puis ensuite faire la somme sur I, ça revient à trouver une façon de lire le tableau en colonne, comme ça. Alors c'est là où vous devez vous rendre compte que c'est un peu plus compliqué. Parce que par exemple, quand mon terme J vaut N, la dernière somme, quand J vaut N, donc je suis dans ma dernière colonne, le seul terme que je calcule, c'est I égale N. Donc c'est assez lourd, mais par exemple, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, les bornes, c'est ça. Donc partant d'une somme allant de I égale 1 à N, de J allant de 1 à I, je me retrouve avec une somme de J égale 1 à N, de I égale J à N. Donc ce qui était une somme qui allait de 1 à I, devient de J à N. Et ça, faut le faire dans plein de situations différentes. C'est la logique de l'inversion de somme. Soyons clairs, on a une méthode pour le faire de façon carrée sans se tromper à chaque fois. Mais est-ce que vous comprenez au moins la logique, même sans la preuve directe, mais qu'il n'y a pas le choix? Parce que par exemple, quand je regarde à 2, il faut que je commence mon calcul à partir du deuxième terme. Donc j'ai pas le choix, il faut au moins que i soit au moins supérieur ou égal à j, donc que i commence au moins à 2. Donc je dis pas que ça fait une preuve de la formule, mais faut bien comprendre que l'inversion, elle fait apparaître des termes compliqués, c'est pas naturel comme inversion. Oui, Ethan? Non, on note toujours uij, mais comme je l'ai fait par contre dans mon exemple en dessous, le fait d'inverser les deux sommes, ça va parfois permettre de sortir des termes et de calculer des sommes d'une autre façon et donc d'arriver à aboutir sur le calcul. Ok, faisons un premier exemple où je vais vous donner en plus dans cet exemple la méthode pour faire l'inversion des sommes triangulaires. Parce que ce truc là de logique avec les trucs verticaux et horizontaux, c'est si vous avez de l'intuition. Si vous n'en avez pas, il y a une méthode carrée qui permet tout le temps d'inverser les deux sommes et qu'il faut maîtriser. Oui, Louis. Mais la base de quoi? Mais pourquoi il y aurait des multiplications? C'est une somme double, je l'ai écrit juste avant, il n'y a que des sommes partout. Non, c'est on fait une somme d'une somme. Alors justement, quand on note ce symbole-là, ce que je cache, c'est ceci, entre guillemets. Et moralement, c'est pas le bon mot. Hein. C'est une parenthèse de composition, pas de multiplication. C'est pas le bon mot. Parce que là, c'est pas de la composition. Mais au sens que ça a, c'est... On fait la première somme à l'intérieur et ensuite on applique la seconde somme à l'extérieur. C'est ce que j'ai fait en faisant mes trois petits points. Faisons un exemple, parce qu'un exemple parlera plus que un million d'explications théoriques. Et faisons justement l'exemple qu'on vient de faire en exo que je vous ai expliqué, qui va marcher un peu mieux. Bah tiens, faisons deux exemples simples. On va faire ces deux-là d'un coup, comme ça vous permet de voir ce qui est simple et ce qui est compliqué. Donc j'ai juste mis les énoncés, mais ça c'est l'exercice 4 du poly. Et je vais faire très très vite la première et on passera beaucoup plus de temps sur la deuxième. Ok, la première, je veux calculer la somme pour i égale 1 à n de la somme pour j égale 1 à n des i 4 puissance j. Monsieur, vous avez parlé de série hier, tout ça, ça sera lié aux séries. Oui, ce qu'on appelle une série, c'est une somme qui va jusqu'à l'infini. Donc c'est juste qu'on va faire la limite de ça quand n tend vers plus l'infini. Première question, est-ce que c'est une somme triangulaire ou une somme rectangulaire? Rectangulaire, la borne intérieure ne dépend pas de la borne extérieure. Et moralement, donc je peux inverser les deux sommes comme je veux, mais ici il y a même quelque chose de plus simple, c'est que je peux... Oui. Oui, on a une somme géométrique. Donc ça fait la même chose qu'écrire la somme pour i égale à n des i. Et dans la somme des i, j'ai la somme pour j égale 1 à n des 4 puissance j.
Alors attention, la somme pour i égale j égale 1n des 4 puissance j, c'est la somme de la géométrique, mais il me manque le terme pour j égale 0. La formule du cours, elle commence à j égale 0. Donc je dois faire châle, je vais le faire un tout petit peu vite vu que c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je vais directement écrire par châle, mais je saute une étape pour aller un peu vite. Que ça va me faire la somme pour j égale 0 à n des 4 puissance j. Et en dehors de la somme, j'ai un moins 4 puissance 0, parce que si j'ai ajouté le terme d'ordre 0, je l'enlève. C'est juste ça. Donc ce qui veut dire que dans cette somme-là, j'ai la somme pour i égale 1 à n des i. Et derrière, la somme des 4 puissance j, bah, c'est 1 moins 4 puissance n plus 1 sur 1 moins 4, moins 1. Maintenant, je n'ai plus qu'une somme simple. Dans cette somme simple, il y a quoi qui dépend de i? Bah, juste le i. Tout le reste ne dépend pas de i, peut donc sortir de la somme. Donc ça va me faire, je vais décaler un peu mon égal, mais ça va me faire 1 moins 4 puissance n plus 1. Je vais quand même faire une petite simplification. Ça fait du moins 3 moins 1. Somme pour i égale 1 à n di. Et ça, c'est une somme de référence. Ça va me faire du 4 puissance n plus 1 moins 1 sur 3 moins 1 facteur de n plus 1 sur 2. Parce que c'est juste la somme des i, c'est la somme des k, enfin, c'est juste une somme de référence. Donc voilà ce qui se passe pour les sommes rectangulaires. C'est la seule qu'on fera. Ça n'apporte rien, il n'y a pas de méthode, il n'y a rien à comprendre sur les sommes rectangulaires, c'est des calculs de sommes, tout ce qu'il y a de plus classique, c'est juste qu'il y a deux symboles sigma. Il faut juste être clair avec ce que vous avez bien compris, la linéarité, qu'est-ce qui a le droit de sortir et qu'est-ce qui n'a pas le droit de sortir de la somme, c'est tout. Oui, Hugo ? Nn plus 1 sur 2, j'ai calculé la somme des i. Encore une fois, j'en ai rien à faire que vous recopiez, c'est comprendre. Donc si c'est juste de l'écriture, ça sert à rien, comprenez que c'est la somme des i devant. Oui, Yanis. Oui, le changement d'indice marche aussi ici, hein, bien sûr. J'aurais pu faire poser un k égale j moins 1 et ça aurait fait des calculs qui marchent aussi très très bien ici. C'était juste que ça me permettait d'aller un tout petit peu plus vite vu que cet exercice-là n'est pas capital vu que, comme je l'ai dit, les sommes doubles, les sommes doubles rectangulaires, c'est juste des sommes classiques, il n'y a rien de méchant. Faisons la deuxième somme. La deuxième somme, c'est la somme pour i égale 0 à n moins 1 de la somme pour j égale i plus 1 à n. Ah bah tiens, justement, de mon truc des i sur j. J'insiste. Ici, j'ai du i plus 1. Donc la borne, enfin la borne intérieure dépend de la variable extérieure. Ceci, c'est ce qu'on va appeler une somme triangulaire. Triangulaire. Je m'en fiche. C'est juste pour vous donner la logique. Ok, comment on va faire? La logique pour arriver à inverser les sommes triangulaires, c'est de comprendre les séries d'inégalités de façon précise entre les deux variables. Qu'est-ce que je veux dire par là? De cette somme-là, je peux obtenir deux inégalités sur les deux variables i et j. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit que ces sommes doubles, elles peuvent s'écrire avec deux indices intermédiaires. C'est-à-dire que ça, je pourrais la réécrire, et vous devez tous être d'accord que ça, c'est la somme pour i compris entre 0 n moins 1, et ensuite j'ai du j qui est compris entre i plus 1 et n. Donc ici on part d'une inégalité, on a deux inégalités moralement à partir de cette double somme qui est celle-ci. Ok. 100% du temps,
les calculs, pour que vos calculs de somme s'arrangent bien et qu'il n'y ait pas de choses horribles, sinon il faut passer avec la règle du tableau que je vous ai montré avant, mais c'est horrible et vraiment ça vous arrivera jamais de ne pas être dans cette situation. Vous serez tout le temps capable de transformer cette double inégalité en une seule inégalité fixe, traitant toutes les variables et gardant les mêmes informations. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Maintenant, je veux une seule inégalité sur une seule ligne qui implique toutes les variables et qui ne garde la même information. On peut se servir pour ça d'inégalité stricte. C'est la seule différence. Ici, je vais devoir utiliser une inégalité stricte. C'est qu'est-ce que je sais ? Ben, je sais que 0 est plus petit que i. Et maintenant, je sais que j est plus supérieur ou égal à i plus 1. Donc, ce que je peux écrire pour résumer l'information sur mes variables, c'est que j est strictement plus grand que i. Vous êtes d'accord avec ça ? Maintenant que je sais que J est strictement plus grand que I, bah J, lui, il est inférieur ou égal à N. Je vous assure que cette information-ci est l'information résumée des deux inégalités précédentes. Et il faut que vous soyez capable de l'obtenir. Est-ce que ça va à peu près à tout le monde, cette unique ligne qui résume les deux autres lignes ? Bah donc, si vous êtes parti de deux lignes et que vous l'avez résumé en une seule ligne, vous pouvez très bien les reséparer en deux lignes, mais dans l'autre sens. Ce que je veux dire par là, c'est quelle variable veut-on mettre à l'extérieur ? Parce que la variable qu'on voulait mettre à l'extérieur, c'était J. D'après mes informations, je vais donc utiliser pour J les inégalités de la série large, mais les inégalités à l'extérieur. On sait que J, il est plus grand que N et que J, il est plus grand que 0. Donc J va varier jusque N. Par contre, subtilité, attention au petit intermédiaire qui est ici. Si J doit... L'inégalité large, elle va jusque... Si l'inégalité large, elle va jusque 0. Et qu'il y a une inégalité... qu'elle va jusque 0 pour i, mais qu'il y a une inégalité stricte entre j et i, j va aller jusqu'au combien, Baptiste ? Non, c'est une question. Ok. C'est une question, c'est quelque chose de n-1 pour i. Bah, en fait, il est inclus dans l'information, puisque j va jusque n, et que i est strictement plus petit que j. Jusqu'à combien peut aller i ? Non. Puisque J peut aller jusque N. Donc on remplace J par N, vu que J peut aller jusque N. Et que I est strictement plus petit que J. Donc voilà, il peut aller jusque J-1, donc jusqu'à N-1. Oui, Louis ? Parce qu'il y a du I plus 1 inférieur ou égal à J. Donc il est, ça revient à la même chose. Enfin, ça, je suis d'accord que ça revient pas à la même chose. Hein. Mais dans cette situation-ci, dire J commence à I plus 1 ou dire J est strictement plus grand que I, ça revient à la même chose. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que... Oui, Ethan ? Oui, parce que c'est I qui va jusque 0, mais que J est strictement plus grand que I. Si je veux faire une double inégalité dans l'autre sens, J est compris entre 1 et N. Et du coup, maintenant, avec ça, j'arrive à faire une inégalité sur les bornes extérieures de ma double inégalité pour J. Donc maintenant, il faut que j'en fasse une pour I. Sauf que pour ne pas perdre d'informations, il faut que j'utilise les inégalités maintenant qui sont intérieures ici. Donc il faut juste que j'utilise cette information-là. I, lui, peut aller de 0. Et puisque I est strictement plus petit que J, I peut aller jusque J-1 exactement, si vous avez compris ça. Donc si vous avez compris comment on passe de l'un à la double inégalité au milieu, on va en refaire un autre derrière au moins, voire deux autres. Ça vous dit que la somme pour i égale 0 à n moins 1 de la somme pour j égale i plus 1 à n des i sur j, je peux inverser mes deux symboles sigma. Ça va me faire une somme pour j égale 1 à n de la somme pour i égale 0 jusque j-1 des i sur j.
Bon, et maintenant, c'est la même situation que tout à l'heure. C'est d'ailleurs le même calcul que tout à l'heure, un tout petit peu différent. C'est que là, maintenant, l'intérêt de faire ça, c'est que dans cette somme-ci, je peux sortir le terme en J, vu qu'il ne dépend pas de I. Donc, ceci, ça fait la somme pour J égale 1 à N des 1 sur J. Somme pour I égale 0 à J-1 des I. Et donc là, j'ai gagné aussi pas mal parce que la somme de I égale 0 à J-1 des I, je peux la calculer. Alors j'ai un problème pour calculer ma somme pour I égale 0 à J-1 des I. J'ai pas les bonnes bornes. Hugo ? Ouais, il faudrait I égale 1 en bas. Ah, tu veux faire un décalage ? Trop long. Parce que j'ai le bon I à l'intérieur, chat les meilleurs ici. Parce que j'ai le bon I à l'intérieur, chat les meilleurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que si je fais un décalage, le I qui est parfait à l'intérieur va être modifié. Ça marchera aussi, hein, mais ce sera moins performant. Donc je vais faire chat. Donc ça... Alors je vais aller très très vite, le terme, donc je vais enlever le terme pour i égale 0 et après je vais écrire ma somme pour i égale 1 à, n, à j-1 pardon, des i. Sauf que le terme pour i égale 0 de cette somme, oui il vaut 0. Donc en fait je pouvais directement réécrire la somme pour i égale 1 sans le moindre coût. Donc maintenant j'ai bien la somme pour i égale 1 à j-1 des i, ce qui va me donner comme somme. Somme pour j égale 1 à n des 1 sur j, et l'autre somme elle va se calculer comme j moins 1 j sur 2. Ce qui va me faire, par linéarité de la somme, et donc ça nous donne 1 demi de la somme pour j égale 1 à n des j moins 1. Les j, le j et le 1 sur j se simplifiant. Il me reste plus qu'une somme simple à calculer. Je vais le faire vite fait là en une ligne. Il me reste à calculer ceci. Je repars de là. J'ai pas envie de séparer ça en deux sommes. J'ai envie de gagner un tout petit peu de temps. Pour gagner un tout petit peu de temps, je vais poser k qui vaut J-1, parce que comme ça j'aurai exactement le bon terme à l'intérieur du sigma. Ça, ça me fait du 1 demi de la somme pour k égale 0 à n-1 des k. Et cette somme pour la somme pour k égale 0 à 1 demi des n-1 des k, je vais l'écrire tout de suite. C'est aussi la somme pour k égale 1. Et ça, je vais. C'est châle encore. Mais c'est châle aussi pour une autre raison, et c'est ce qu'on vient de refaire au-dessus, donc je le redis pas, mais c'est juste que le terme est nul. Pour k égale 0. Si je calcule k en k égale 0, ça fait 0. Donc j'ai pas besoin de mettre ce terme pour k égale 0 dans la somme. Je peux directement le supprimer. Et donc ceci, ça va me faire du... Et on a fini, du n-1 n sur 4. Est-ce que ça va sur cette première somme double à quelque chose de pas facile? La méthode, c'est l'inversion des inégalités. En passant, en général, la bonne méthode, c'est en passant par une inégalité double. En général, je vous le dis, dans un corrigé ou moi, de façon générale, je remonte pour vous montrer. Moi, je m'arrête à cette inégalité-là, je m'arrête à l'inégalité centrale. Parce que je sais qu'une fois que j'ai celle-ci, je peux, à partir de ça, tirer toutes mes inégalités pour réécrire ma somme double. Mais je fais toujours une étape pour passer de deux inégalités à une seule, pour pas me tromper. C'est juste ça. Du moment que vous avez bon, vous avez le droit d'inverser vos deux sommes brutalement sur votre copie. Mais ne vous trompez pas. Donc au moins au brouillon, faites bien ça pour pas vous tromper. N'apprenez pas un truc par cœur, c'est un risque, il y a trop de formules, trop d'indices qui peuvent varier, trop de situations, c'est trop compliqué. Voyez notre première somme double triangulaire. Faisons-en là une deuxième et après on verra ce qu'on fait en fonction du temps qui nous reste. Je repars dans le poly.
Bon, on va faire les deux autres, comme ça on aura fait 3. Je vais commencer par la plus simple des deux, de mémoire c'est la 4. On va d'abord faire la 4, ensuite la 3. Alors. Bah non, je dis que c'est même la plus compliquée, mais regardez, la 4 elle va être faite, c'est juste pour vous montrer que parfois... Non, je me rappelle pourquoi je l'ai mis la 4. Le problème, c'est que là, maintenant, je vous ai montré une méthode compliquée avec de l'inversion de somme. Et donc, il m'arrive en colle, la semaine prochaine, quand vous aurez des sommes doubles, de donner la somme numéro 4. Et là, les élèves, ils partent. Oh, je vais faire mon inversion de somme. Ils passent 10 minutes et ils font l'inversion de somme. Pour la somme numéro 4, il n'y en a pas besoin. Est-ce que vous avez besoin d'inverser les sommes pour pouvoir calculer cette somme? Ethan? Bah oui, exactement, en fait c'est juste que là je vous... Donc vous voyez somme double, vous allez avoir envie d'inverser les sommes. Il faut inverser les sommes quand vous n'êtes pas capable de calculer la somme directement. Bon, je vais être clair avec vous, 90% du temps il faudra inverser les sommes. Mais ça n'empêche pas que quand je vous donne un exo-piège comme ça, bête et méchant, si vous me répondez directement, j'attends de vous plutôt que vous réfléchissez 10 secondes et qu'on peut la calculer directement. Donc 7,6, ça fait la somme pour i égale 1 à n, dn moins i plus 1. Tiens, on va essayer de faire un petit argument de haut niveau encore une fois. Comment je la calcule cette somme dn moins i plus 1? Encore une fois, pas obligatoire, mais ça va nous faire gagner du temps. Noah? Alors, on ne peut jamais poser, on peut jamais poser k égale quelque chose, enfin une nouvelle lettre k qui est en moins i. Ça, ça marche pas. C'est pas un décalage d'indice. Si tu veux poser un indice négatif, justement, c'est tout le principe du retournement d'indice dans ce cas-là. Donc, quand tu veux le faire, c'est que c'est un retournement d'indice. Et dans ce cas-là, plutôt que d'essayer d'écrire une formule correcte, parce que les bornes vont s'inverser, mais il faut faire des choses propres, mais c'est la bonne idée qui fait gagner du temps. C'est de l'écrire d'abord en trois petits points pour faire apparaître le retournement d'indice. Donc si on l'écrit en trois petits points cette somme, ça fait du... Donc quand i vaut 1, ça fait du n moins 1 plus 1, donc ça fait du n. Puis quand i vaut 2, ça fait du n moins 1. Puis quand i vaut 3, ça fait du n moins 2. Et à la fin, quand i vaut n, ça fait du 1. Donc en fait, cette somme, si vous avez compris, si je veux la réécrire maintenant avec un indice k, c'est juste la somme pour k égale 1 à n d. Et donc ça fait, oui, ce que je viens de faire sans l'écrire en intermédiaire, c'est un retournement d'indice. Et c'est parce que le décalage d'indice qu'on voulait faire, il est avec un i négatif, ce qu'on n'a pas le droit de faire, vu qu'on n'a pas le droit pour une somme de mettre des bornes dans le mauvais sens. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, mais c'est la meilleure idée pour aller un peu vite sur ce calcul. Mais n'allez pas trop vite en essayant d'inverser les deux sommes sans réfléchir si elle est directement calculable. Marie. Alors, ce que j'ai fait juste pour passer de ici à ici, j'ai juste écrit ma somme en trois petits points. Donc j'ai écrit le terme pour i égale 1, ça c'est le terme pour i égale 2, ça c'est le terme pour i égale 3. J'ai pas écrit, mais ça ce serait le terme pour i égale n moins 1, et ça c'est le terme pour i égale n. Est-ce que tu es d'accord sur ce principe-là que ça c'est la somme en trois petits points? Maintenant, je la lis juste d'un point de vue logique, cette somme, et je la lis plutôt même dans l'autre sens. Si je la lis dans l'autre sens, c'est la somme qui fait 1, 2, 3, 4, 5 jusque n. Et donc cette somme-là peut se réécrire somme pour k égale 1 à n des k. C'est juste ça. Ok? C'est pour ça qu'il ne faut pas apprendre de formule de retournement d'indice. C'est ce que j'ai fait ici, hein, de passage de la ligne d'avant à celle-ci, c'est un retournement d'indice. Mais quand vous le voyez, vous pouvez l'utiliser comme ça. Oui, Louis. C'est quand j'ai 2 sigma et que je vais inverser mes symboles sigma. C'est ce que j'ai fait dans la question précédente et que je vais faire dans la question suivante. Oui.
Mais quand c'est triangulaire, ça demande des petits calculs un peu compliqués. Kautar, tu avais une question ? Oui, en fait, c'est par rapport au retournement d'indice. Est-ce que, de manière générale, le retournement d'indice, c'est mieux quand votre somme sera décroissante ? C'est ça. C'est quand tu as un indice, alors attention, qui est bien décroissant en i ou en k. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu as un truc en... Je veux dire n'importe quoi. Alors, regardez la différence pour juste vous montrer. Le retournement d'indice marchera très très bien sur une somme comme ça. Parce que ce que tu voudrais poser, encore une fois, c'est un indice négatif, donc on n'a pas le droit de le faire, mais en n-k. Par contre, si c'était cette somme-là, sans la... Attention, hein, enfin même je vais l'écrire comme ça pour qu'il n'y ait pas de doute. N carré moins k carré sans la parenthèse. Ça décroît en k, mais pas d'ordre 1 en k. Ça décroît en k carré. Et dans ce cas-là, le retournement d'indice, il marche pas bien. Donc c'est vraiment quand ça décroît en k, mais avec une puissance 1. Si tu as vraiment si t'as un changement de variable qui décroît en k en puissance 1, c'est que le retournement d'indice va marcher de façon parfaite. Il n'y a aucun doute. Mais c'est la seule situation où il est utile. C'est pour ça que je dis que cette formule, elle n'est pas si utile que ça. Là, par exemple, ici, dans ce calcul-là, j'ai dit que ça nous faisait gagner du temps. Mais on pouvait aussi très bien écrire que c'était n fois la somme des 1 moins la somme des i plus la somme des 1. Enfin, j'aurais pu écrire ça en trois sommes par linéarité et je savais la calculer, cette somme. Il n'y avait pas besoin du retournement d'indice. Ok, faisons la somme 3, et celle-ci c'est encore une vraie somme triangulaire. Alors attention, les indices sont un peu changés. C'est la somme pour petit n égale 1 à grand n, de la somme pour k égale 0 à petit n, des k parmi n. Première chose... Qu'est-ce que j'ai fait encore cette somme-là aussi? Elle est calculable sans inverser les sommes. Je l'ai écrit dans le mauvais sens? Bah non. Non, mais c'est juste qu'elle est calculable peut-être la première, mais pas la deuxième. On va voir. Je ne me rappelle plus. Elle est complètement calculable, cette somme. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, pourquoi il n'y a pas d'inversion à faire dans celle-là. À moins que je suis en train de devenir fou, non? Comment on calcule cette somme, Hugo? Oui, la somme intérieure ressemble méchamment au binôme de Newton. Donc ici, encore une fois, il n'y a pas d'inversion de somme, je sais pas ce que j'ai fait. Ça, on peut le réécrire comme la somme pour k égale 0 à n des k parmi n 1 puissance k 1 puissance n moins k, ce qui fait exactement la formule du binôme, ce qui me fait la somme pour petit n égale grand 1 à grand n des 1 plus 1 à la puissance petit n. Non, vous pouvez directement même passer à la troisième ligne que je suis en train d'écrire en 2 puissance n, mais en mettant quelque part dans ce cas-là. Parce que là, clairement, je l'ai fait apparaître, mais sinon, si vous voulez aller plus vite, vous mettez quand même que c'est le binôme de Newton que vous utilisez. Mais sinon, vous pouvez passer directement de la ligne 1 à la ligne 3. Et donc, je me retrouve encore une fois avec le calcul qu'on a fait hier en TD, donc je le refais pas. Ça faisait du 2 fois 1 moins 2 puissance grand n sur 1 moins 2. Je vous assure que c'est la première question que vous avez fait en TD hier. Ça. Donc je le refais pas. Pourquoi j'ai pas fait d'inversion de somme double dans cet exo? Qu'est-ce qui m'a pris? Oui, c'est de la forme q puissance k. Hein. C'est la somme qu'on a fait hier. Parce que j'en ai mis un autre après. J'aime pas là. Non, c'est du ln. On a les produits. J'en ai une, mais compliquée, donc je voulais pas la faire tout de suite. Donc celle-là, je veux clairement pas la faire tout de suite.
Dans mon autre, dans ma feuille d'exo, si je veux dans exercice, parce que j'en ai mis un plus facile. Je me le suis gardé pour un DM, mon exo de proba. Soyons clairs, les sommes doubles, toutes les sommes et les sommes doubles, comme je vous l'ai déjà dit, mais les sommes doubles. Vous verrez que certaines probas se calculeront avec une somme, via ce qu'on appelle la formule des probabilités totales, que vous connaissez déjà, mais vous avez fait que sur deux termes, on le fera sur n termes. Et une fois qu'on a une probabilité qui s'écrit sous une forme, on fait un calcul souvent en probabilité qui est ce qu'on appelle le calcul d'espérance, qui est un calcul de somme basé sur les probabilités. Donc si la proba est une somme et qu'on fait un calcul d'espérance, on va se retrouver avec une somme de sommes, donc avec une somme double. Donc c'est pour ça que je vous dis 90% des sommes doubles s'intervertissent. Parce que pour arriver à calculer l'espérance, en général, il n'y a pas le choix, il faut inverser les deux sommes. Mais celle-ci, elle était un tout petit peu technique. Je voulais pas arriver directement sur des trucs aussi compliqués que ça. Mais là, j'en ai pas plus simple. On en fait une, j'en retrouve une autre plus simple pour cet après-midi avant de faire celle-là, sûrement vendredi, on fera ça. La première question de l'exercice du problème 3, où je peux vous montrer. Donc la première question du problème 3, où. Là, c'est là, elle était quelque part. Elle est dans l'autre feuille peut-être. Oui, dans le poly de cours, la dernière question. La question 3 de l'exo, j'ai mis calcul technique sur somme théorique de l'EM Lyon 2019. Ça, ce sont des calculs d'inversion de somme double. Donc on les fera d'ici la fin de la semaine. Si vous voulez vous entraîner, vous avez déjà ça en plus. On fait une autre somme double cet après-midi. On va plutôt en profiter pour avancer sur le cours, comme ça on fera des exos tout le reste de la semaine. J'avais dit que c'était la dernière propriété, mais c'était la dernière propriété algébrique. On a quand même deux propriétés qui ont beaucoup plus à voir avec de l'analyse que de l'algèbre. C'est pour ça que ce chapitre, c'est un peu un chapitre de transition. On a une positivité et une croissance de la somme au même titre que l'intégrale. Et c'est assez logique. Si je vous donne que pour tout cas, alors je vais la recopier de l'autre côté cette propriété. Hop, non, c'est pas là, c'est là. Si je vous donne que pour tout cas, on a un terme UK qui est positif, donc quel que soit K appartenant à un intervalle MN. UK positif, bah là il n'y a même pas besoin de justifier que les bornes sont dans le bon sens, parce qu'une somme, on ne peut pas mettre les bornes dans le mauvais sens. Mais si on fait une somme de termes positifs, alors la somme est positive, c'est assez logique. Et si maintenant je vous donne un VK qui est plus petit que UK, et si je veux trouver quelque chose sur la somme des VK, alors forcément la somme des VK, elle va être plus petite que la somme des UK. Donc c'est pas une propriété très très compliquée, cette propriété de croissance de la somme ou de positivité de la somme, mais on a la même chose que pour l'intégrale. C'est plutôt que ça, ça sert pour avoir des signes, donc c'est plus des propriétés d'analyse ou de comparaison de termes que des vrais calculs algébriques où on part d'une égalité, on a une égalité encore derrière. C'est plutôt pour faire de l'analyse. Cette positivité de la somme ou cette croissance de la somme, elle va nous servir très souvent pour se comparer et pour faire le lien entre somme continue et somme discrète et se comparer à des intégrales. Donc on a besoin d'une deuxième propriété qui n'est absolument pas encore une fois à connaître, c'est pas dans les points du programme, mais qui est d'une utilité monstrueuse à savoir. Quand j'arrive à vous faire digérer cette propriété-là, on avance beaucoup beaucoup en somme et en intégrale. C'est le lien entre somme et intégrale. Alors d'un point de vue théorique, c'est une horreur. Mais d'un point de vue pratique, c'est vraiment quelque chose de classique et de très très bon. Non, c'est pas là, encore une fois. C'est ces deux propriétés-là, qui sont différentes mais qui ont du sens. La première propriété, c'est juste quelque chose de très très bête qui a lieu entre la linéarité de la somme et la linéarité de l'intégrale. La somme pour k égale m à n de l'intégrale de quelque chose. Alors je vais juste mettre une fonction fk pour que ça dépende de tout.
Mais si je vous fais une somme d'une intégrale, donc là, entre guillemets, c'est comme si j'avais appliqué la linéarité. Vous êtes d'accord? J'ai séparé mon intégrale en plusieurs intégrales. Quand je fais ça par linéarité, je peux aussi tout mettre dans la même intégrale. Donc ce que ça dit, c'est juste que la somme des intégrales, c'est l'intégrale de la somme. Alors ça, ça marche tout le temps. Attention, c'est ça qu'il faut comprendre dans cette propriété-là. Ça, vous pouvez tout le temps le faire dès que vous avez des bornes qui sont... pas croissante, on s'en fiche réellement, mais des bornes qui sont fixes. C'est ça que j'insiste. C'est si les bornes, si vous faites une somme d'intégrales avec les mêmes bornes, on a le droit de le faire. Si les bornes des différentes intégrales ne sont pas les mêmes, on ne peut pas les regrouper. Et ça mène d'ailleurs à la deuxième propriété qui est assez logique, que je vais d'abord écrire en trois petits points et que vous allez comprendre. Parchal, mais parchal sur les intégrales, ça fait quoi si je vous donne l'intégrale de m à m plus 1 de f de t dt? C'est un m là-haut. Et qu'ensuite je fais l'intégrale de m plus 1 à m plus 2 de f de t dt, et que je continue, et que je vais aller jusqu'à n moins 1 à n de f de t dt. D'un point de vue intégral, ça fait quoi ce truc-là? Je fais l'intégrale de m à m plus 1, puis de m plus 1 à m plus 2, puis de m plus 2 à m plus 3, et je vais jusqu'à n. Ouais, tout à fait d'accord, c'est châle. Sauf puisque j'ai écrit ça avec une somme avec des trois petits points. Ça peut se réécrire avec un sigma. Donc il y a un lien quand vous avez des intégrales successives. C'est que la somme... Alors attention aux bornes de ce que vous faites. Par exemple, si je commence à k égale m et que je fais l'intégrale de k à k plus 1, attention, c'est pas la même formule que dans le poly vu que je me suis arrêté à n là-haut. Mais si je vais jusqu'à n moins 1, de l'intégrale de k égale m à n moins 1 des k à k plus 1 de f de t dt, bah, je peux en déduire. Exactement de la même façon, je prends k, la borne du bas, à la borne la plus basse, ça va me faire l'intégrale de m, et je prends la borne du haut à la borne la plus haute, et ça me fait une intégrale jusqu'à n de f de t dt. Donc quand on a des, non pas des, le même intégrale et une somme, mais qu'on a des intervalles successifs pour l'intégrale, on peut regrouper la somme d'intégrale en une seule intégrale aussi, mais différemment de l'autre méthode. Appliquons ça sur des exemples et faisons des calculs basés sur cette propriété-là et appliquons la positivité de la somme, etc. Qui va nous amener à refaire des calculs d'analyse qu'on n'avait pas menés mais qui sont intéressants. Faisons l'exercice, je ne sais plus c'est lequel. C'est l'exercice 8. Alors, hop. Allons-y pour l'exercice 8. La première question n'a rien à voir avec les sommes. La première question, c'est une question sur des intégrales. Montrer que 1 sur k plus 1 est compris entre l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t dt et l'intégrale de k plus 1 à k plus 2 de 1 sur t dt. Comment je peux faire ça? Quelle est votre idée? Il y a deux idées différentes à manipuler. Noir? Alors oui, on va faire une amorce, mais il y a une deuxième idée qui va se rajouter ici. Parce que si vous voulez faire une amorce, en gros, moralement, encore une fois... deux amorces plutôt. On n'aura pas besoin de faire deux amorces. Parce qu'une seule va suffire, mais il faudra réécrire quelque chose en plus. Mais ta méthode marche aussi. Deux amorces fonctionnent aussi. Mais je veux vous montrer ça d'une autre façon, parce que je vous avais parlé en début d'année, si vous vous rappelez ce que j'avais fait sur la partie entière, je vous avais dit quand on a une triple inégalité dans un certain sens, on peut obtenir une triple inégalité dans l'autre sens. C'est le même principe qui va jouer ici. Et donc on peut le faire avec une seule amorce et cette idée-là en plus. Donc, l'idée c'est quoi déjà de cette question? C'est qu'on veut comparer un nombre à une surface. Je suis incapable de comparer un nombre à une surface. Ce que je sais comparer, c'est des surfaces entre elles ou des nombres entre eux. Donc je vais plutôt essayer de comparer des surfaces. Donc pour comparer des surfaces, je peux essayer de faire une amorce
pour essayer d'encadrer cette intégrale-là. Par exemple, l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t dt. Comment on fait une amorce pour encadrer ça? Ça, c'est du classique, il faut savoir le faire. Puisque les bornes, si je prends par exemple cette inégalité-là, puisque les bornes vont entre k et k plus 1, je sais que mon amorce doit commencer par t compris entre k et k plus 1. Et maintenant, je dois dézoomer pour faire apparaître mon symbole intégral. Donc, allons-y, faisons-le proprement. Je vais commencer, et j'en ai marre que vous ne saviez pas faire ça. Ça commence à me saouler dans vos DM et dans vos DS. Ici, je vais composer. Donc, quand je compose, je dois parler de croissance et non pas de signe. Ou quand vous multipliez, ne me parlez pas de croissance. Quand vous multipliez, vous me parlez de signe. On compose par t qui donne 1 sur t qui est strictement décroissante sur 1 plus l'infini parce que k est supérieur ou égal à 1. Ça, je le mets juste entre parenthèses, c'est juste parce que l'énoncé me le dit. K est dans n étoiles, donc je sais que je suis sur un seul intervalle de ma fonction inverse, donc que je peux faire ce que je fais. Donc ça, ça va me donner 1 sur k plus grand que 1 sur t, plus grand que 1 sur k plus 1. Une fois que je suis là, ensuite je fais quoi? Faire apparaître le symbole intégral. On intègre de k à k plus 1. Vous ne pouvez pas le faire sans me justifier que les bornes, enfin sans même préciser que les bornes sont dans le bon sens. Sinon, ça devrait inverser les inégalités. Donc ça, ça fait l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur k. Alors, je fais exprès de pas noter les choses. Ça aussi, je vous le dis, je suis en train de corriger votre DM4. Vous n'avez pas 20. Chaque dt qui manque dans une intégrale, moins un demi-point. J'en ai marre. Il y en a un qui a perdu qu'un demi-point. Il y en a d'autres qui ont perdu 2,5. Ça, je vous le rappelle, je vais le mettre en rouge parce que c'est un rappel. Il faut intégrer les trois intégrales avec la même variable. Et puisque le symbole qu'on veut faire apparaître, c'est celui-là, ce qu'on va mettre dans les trois intégrales, c'est du dt. Ok. Maintenant que je suis là, il faut mettre, bien sûr, par croissance des bornes. Pas besoin de justifier plus, on sait que k est plus petit que k plus 1, mais il y en a besoin. Nouvelle page, continuons notre série d'inégalités. Maintenant que je suis là, comment je continue mon calcul? Une logique sur les deux côtés, Mathéo? Exactement, le k ne dépend pas de t, ça fait ceci. J'ai pas mis mon 1 sur k plus 1 qui doit apparaître devant. Maintenant, vous me calculez ces deux intégrales-là comme vous voulez. Soit par primitive, soit par surface. Mais pour moi, c'est la surface d'un rectangle de hauteur 1 et de largeur qui va entre k et k plus 1. Donc de largeur 1, hauteur 1, largeur 1, cette intégrale, elle fait 1. Ça fait 1 sur k fois 1 plus grand que l'intégrale de k à k plus 1 de 1 sur t dt plus grand que 1 sur k plus 1. Donc voilà ce que nous donne la méthode d'amorce. Et ça, c'est vrai quel que soit k supérieur ou égal à 1. Donc je vais même le réécrire proprement vu que j'ai pas mis le fois 1. Alors, maintenant, je vais vous faire la deuxième partie de la logique de cette question que je veux que vous sachiez maîtriser. On a obtenu, sans difficulté par cette méthode d'amorce qu'on maîtrise maintenant, je viens d'encadrer une intégrale avec deux nombres. Je remonte mon énoncé. Mon énoncé, je voulais encadrer un nombre par deux intégrales. C'est l'inverse. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur cette logique de c'est l'inverse ? On a encadré une intégrale par deux nombres, je voulais encadrer un nombre par deux intégrales. C'est le même principe que la partie entière qu'on a vu en début d'année, où je veux dire la partie entière encadre un réel par deux entiers, et cette inégalité-là permet d'encadrer un entier par deux réels. Donc c'est le même principe. Comment on fait pour retrouver les autres inégalités à partir de celle-ci, Marie ?
Oui, on va en fait on va prolonger la série d'inégalités qu'on a fait de trois termes pour en inclure au moins un quatrième et ça va donner le bon résultat. Ah. Normalement, si on fait cette inégalité-là pour k plus 1, ça, on peut écrire que maintenant ceci, c'est aussi. Non, je fais pas le droit au vert. C'est supérieur ou égal à l'intégrale de k plus 1 à k plus 2 de 1 sur t dt. Et ça, c'est cette inégalité-là. Ce qui permet d'écrire ça, c'est cette inégalité qui est ici, mais on l'écrit pour, entre guillemets, pour k égale k plus 1. Est-ce que vous êtes bien d'accord que ce que le terme que je rajoute à droite est déjà écrit à gauche, mais au lieu de l'utiliser pour la variable k, je l'écris pour la variable k plus 1. Et maintenant, instantanément, on a gagné, parce que maintenant, j'ai bien encadré un réel par deux intégrales. Oui, Yanis? Je généralise pas l'inégalité, je reprends vraiment. Ici, il y a une égalité décrite. Et on sait qu'elle est vraie, quel que soit k plus grand que 1. Donc j'ai le droit de remplacer la lettre k par la lettre k plus 1. Et donc si je remplace dans cette inégalité-là la lettre k plus 1, si je remplace le k par du k plus 1, ça me fait du 1 sur k plus 1 plus grand que l'intégrale de k plus 1 à k plus 2. Et c'est exactement ce que j'ai prolongé à droite. Ok? C'est vraiment juste, c'est pour ça que j'ai dit pour k égale k plus 1. Donc voilà pourquoi il n'y avait pas besoin de deux amorces, Noah. On peut prolonger des inégalités par ce principe-là, qui est le même principe pour moi. À chaque fois que il y aura cette idée-là en tête, je reviendrai toujours pour moi à la partie entière parce que c'est vraiment la même idée de ce qu'il y avait quand on avait fait ce cours-là. Donc on a fait la question 1, qui était clairement une question d'intégrale. Maintenant, vous. Alors je vais. Ouais, j'aurais peut-être dû. Est-ce que je peux refaire un contrôle-V ou pas? Oui! Je peux réécrire au propre mon sujet. Maintenant, si je remonte sur le sujet là-haut, on vous demande d'en déduire la limite de la somme des 1 sur k pour k égale 1 à n. Donc, il y a cette inégalité-là qui est prouvée, et il faut en déduire quelque chose sur la somme des 1 sur k. Clairement, moralement, qu'est-ce qu'il faut faire entre l'inégalité d'avant et la nouvelle question? Athénaïs? J'ai pas compris. Oui, mais pour pouvoir intégrer l'encadrement, enfin, on peut, oui, on peut faire les calculs en. Je suis d'accord qu'on n'a pas calculé les intégrales alors qu'on sait les calculer. Mais il y a un deuxième symbole d'écart entre les deux. Et ça va venir, hein, mais c'est plutôt l'idée du deuxième symbole qui va venir en premier et qu'il faut en faire en premier cas ou tard. Alors pour transformer les intégrales en somme, pour le moment non, parce que pour le moment dans la question 1, justement, dans la question 1, il n'y a pas de somme. Donc voilà, l'idée c'est d'utiliser la propriété qu'on a fait juste avant l'exo, d'utiliser la croissance de la somme, c'est-à-dire que puisqu'on a cette inégalité-là, on a aussi l'inégalité sur les sommes. Alors il y a une dernière question à poser, c'est sur quel indice on va sommer pour pouvoir faire quelque chose de correct et avoir les bonnes inégalités. Mais l'idée numéro 1, c'est de dire pour pouvoir faire apparaître le symbole somme pour k égale 1 à n des 1 sur k, il faut que je somme cette inégalité. Donc pour la question 2, l'idée numéro 1, c'est on somme Alors, donc je vais la réécrire. Je vais la réécrire proprement pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. L'intégrale de k à k plus 1, c'est 1 sur t dt, est plus grand que 1 sur k plus 1, plus grand que l'intégrale de k plus 1 à k plus 2 de 1 sur t dt. Et je vais quand même écrire quelque chose qui est très important. On va voir juste après que ça va nous gêner, mais tant pis, on n'a pas le choix.
c'est pour tout cas supérieur ou égal à 1. Et donc maintenant, si je somme, ça je peux dire que ça implique, par positivité de la somme, attention, comme l'intégrale ça implique, c'est pas une équivalence, que la somme pour k égale, pour le moment j'écris comme ça, j'effacerai après, des points d'interrogation, je dis pas quelle somme pour le moment, est plus grand que la somme de l'intégrale de k plus 1 à k plus 2, des 1 sur t dt, est plus petit que la somme pour l'intégrale de k à k plus 1 des 1 sur t dt. La question, encore une fois, c'est qu'est-ce que je mets comme borne ici? Enfin, qu'est-ce que je mets comme borne ici et ici à cette somme? Alors attention, là on va se baser sur la réponse finale. Je remonte 10 secondes et je redescends après. La réponse finale, on veut une somme des 1 sur k qui va de 1 à n. Attention, moi ici, je suis en train d'écrire une somme des 1 sur k plus 1. Donc il y a une sorte de décalage d'un cran qui se produit. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc pour que ça fasse une somme des 1 sur k de 1 à n, il faudrait mettre une somme des 1 sur k plus 1 de combien à combien? Kautar? Ouais, faudrait aller. Alors, attention, ne notez pas encore pour le moment, mais je vais l'écrire comme ça. On voudrait écrire ça de 0 jusqu'à n-1 pour obtenir somme pour. Je vais mettre j égale 1 à n des 1 sur j en posant j égale k plus 1. C'est ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Il y a un tout petit problème et il faut le voir. Et il est écrit au tableau. Yanis? C'est exactement à cause de ça. C'est pour ça que je vous ai écrit l'inégalité. L'inégalité qu'on a prouvée à la question d'avant, elle n'est vraie que pour k supérieur ou égal à 1. Donc si vous êtes malin et que vous voulez faire ça et que vous voulez sommer de 0 à n-1, vous ne pouvez pas sommer en 0. De toute façon, c'est faux. Parce que si vous essayez de calculer la somme, enfin pas c'est faux. Non, je ne peux pas dire que c'est faux, mais ça va venir ici de la borne sur le côté. Si on voudrait écrire du k égale 0 pour la borne sur le côté, on sera en train de calculer l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t. Ça existe l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t? Non, parce que la fonction 1 sur t n'est pas définie en 0. Donc ce symbole n'existerait même pas. Donc on ne peut pas commencer à k égale 0 parce que la propriété d'avant n'a été prouvée qu'à partir de k égale 1. Du coup, c'est pas très très grave. On va sommer sur ce qu'on peut faire. Donc on va sommer de 1 jusque n-1, vu que c'est ce qu'on voulait. Et ensuite, on va, par chal, ajouter le terme pour k égale 0 dans les trois membres. Et là, ça va marcher nickel. Mais attention à cette subtilité-là de ne pas vous faire avoir à sommer sans réfléchir au quantificateur de la question d'avant. Louis ? Ah, il y a 41 déjà. Je vais juste sommer, faire mon châle et j'aurai pas le temps de finir les calculs et on les finira cet après-midi, dans ce cas-là. Mais je vous avais donné 10 minutes, il m'en reste 4. Mais je suis d'accord que je dois vous lâcher à l'avance, je vous l'avais promis. Donc, maintenant qu'on a compris l'idée, je vais quand même l'écrire, attention. Donc maintenant, je vais écrire ce que je veux. Je vais écrire somme pour k égale 1 à n-1 des intégrales de k à k plus 1 de 1 sur t dt plus grand que la somme pour k égale 1 à n-1. Ah bah, si on somme d'un côté de 1 à n-1, de l'autre côté, on est obligé, exactement comme quand on intègre, c'est avec le même dt, le même genre de choses, c'est avec la même variable k et avec les mêmes bornes de chaque côté. Ça oui, il n'y a pas le choix. C'est vraiment exactement similaire à ce qui se passe pour l'intégrale. Ok. Maintenant,
ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter, donc c'était bien une implication ça, maintenant je vais ajouter le terme pour k égale 0. Bah, ça fait 1 en fait pour k égale 0 le terme, donc en fait ce que je vais faire à cette étape, c'est que je vais ajouter 1. En fait, l'inégalité d'avant, on ne peut pas la commencer à 0. Mais j'ai tout à fait le droit d'ajouter 1 à cette inégalité qui était vraie. Mais ce qui change, c'est que je ne rajoute pas l'intégrale qui est fausse dans mon calcul. Je rajoute 1 au membre de gauche aussi. Donc je ne rajoute pas l'intégrale qui est fausse. Je ne rajoute pas une dernière inégalité qui est fausse. Je fais juste qu'ajouter 1. Je me permets, pour gagner un tout petit peu de temps, de directement l'écrire maintenant. Somme pour k égale 0, vu que c'est le but. Et là, je me retrouve avec du 1 plus la somme pour k égale 1 à n moins 1 des intégrales de k plus 1 à k plus 2 de 1 sur t dt. Dernière ligne et on arrête là. Je fais d'abord ma dernière ligne, je te réponds après, Hugo. Parce que ça va être trop lourd à reprendre cet après-midi. Il me reste un dernier truc, j'ai des sommes ici, mais en fait, ces sommes, elles se simplifient. Si je regarde ma première somme, quand k vaut 1, j'ai l'intégrale qui va de 1 à 2. Quand k vaut 2, j'ai l'intégrale qui va de 2 à 3. Quand k vaut 3, j'ai l'intégrale qui va de 3 à 4. De la même fonction 1 sur t. Donc on est bien dans le cas où on fait une somme d'intervalles successifs. Donc la somme des intégrales, ça fait l'intégrale de... On prend la plus petite borne en bas, donc de 1. Et on prend la plus grande borne en haut. Donc ça fait l'intégrale de 1 à n de 1 sur t dt. Plus grand que ma fameuse somme. Pour le moment, je la laisse comme ça. Ça, on pourra faire le décalage cet après-midi. Ça ne me dérange pas. Et exactement de la même façon de l'autre côté, on a aussi une succession d'intervalles. Donc ça va se réécrire comme l'intégrale de 2 à n plus 1 de 1 sur t dt. Et maintenant, on a... je vous assure qu'on a quasiment gagné. On a quasiment fini pour la limite. On va pouvoir tout faire et tout va se passer sans problème. Mais on a utilisé les deux propriétés qu'on a vues d'analyse de ce matin, la croissance de la somme et le lien entre somme et intégrale successive. On arrête là. On continue ce qu'on était en train de faire ce matin et on le finit. Il n'y a plus grand chose à faire, il n'y a plus de somme. Maintenant qu'on a fait ça, on a fait toutes les propriétés des sommes. Il ne reste plus qu'un tout petit calcul pour finir. Et ça, c'est ce qu'Athénaïs avait dit ce matin, c'est que ces intégrales, elles sont calculables. En fait, on peut primitiver ces intégrales. Donc maintenant, on peut complètement enlever le symbole intégral et faire du calcul. Ceci, ça va me faire du 1 plus, et on sait que 1 sur t, ça va se primitiver en ln de valeur absolue de t, à prendre entre 1 et n. Plus grand que la somme, je vais me permettre de faire quelque chose dans cette somme ici. L'indice k, je vais remplacer, je vais poser i qui vaut k plus 1. Si je fais ça, ça va me faire une somme pour i égale 1 à n des 1 sur i. Et de l'autre côté, je vais me retrouver avec du ln de valeur absolue de t à prendre entre les crochets n plus 1 et 2. Donc ce calcul-là est équivalent et on a fini. Ça me fait du 1 plus ln de n ici, plus grand que la somme pour i égale 1 à... tiens, je vais en profiter pour faire une étape en même temps. La quantité dont on doit trouver la limite, c'était noté en k. Donc ici, je repose juste, c'est pas vraiment un décalage d'indice, je repose juste k égale i. C'est-à-dire que je change juste la notation. Ça, c'est la même chose qu'écrire ça en 1 sur k. Et donc ça, c'est plus grand que 1 plus ln de n plus 1 moins ln de 2. J'enlève les valeurs absolues parce qu'il n'y en a pas besoin. Ok, on doit déterminer la limite de cette somme au milieu. On vient de prouver un encadrement, soyons clairs, c'est évident, il faut utiliser le théorème des gendarmes. Donc là, ça va être à peu près évident. Ce terme-là, même s'il ne nous sert à rien, quand n tend vers plus l'infini, ça tend clairement vers plus l'infini. Ce terme-là, quand n tend vers plus l'infini, c'est évident aussi, ça tend vers plus l'infini. P-
par théorème des gendarmes. La somme pour k égale 1 à n des 1 sur k, tant quand n tend vers plus l'infini, vers plus l'infini. Ah. Bon. Ça, quand on fera des choses plus tard, on appellera ça la série harmonique, la somme des 1 sur k. Et la série harmonique, c'est la première série de Riemann divergente. On verra ça au second semestre. C'est pour ça que ça tend vers plus l'infini. Je vous rappellerai cette preuve qu'on aura fait. Parce qu'on généralisera ça. En gros, au lieu de le faire avec du 1 sur k, on le fera avec du 1 sur k puissance alpha. Et on pourra tout déduire en fonction de les valeurs de alpha. Bon. C'était plutôt pour avoir une façon de vous montrer comment utiliser les propriétés entre sigma et intégrale. Ça c'est fait. Je vous avais promis, tiens, je voulais mettre, j'ai pas eu le temps, comme j'ai pas mis du temps à rendre vos trucs. Je voulais vous refaire un calcul de somme double, vu que j'ai manqué de version de somme double. Hop, données et point d'accès. Je vais en profiter pour vous montrer quelque chose. Voilà. Allons-y. On va aller sur le site de la PHEC. PHEC article 90. Vous n'avez pas les corrigés, vous? Mais si vous voulez, quand ça vous intéressera pas trop pour le moment, parce que c'est moi qui filtre ce que vous savez faire et ce que vous ne savez pas faire. Mais en deuxième année, il pourrait être intéressant d'aller regarder des sujets complets de concours et voir ce que vous êtes capable de faire ou pas. Sur ce, le site, qui est le site de l'association des professeurs de classe prépa HEC, il y a l'ensemble de tous les sujets depuis que c'est numérisé, donc depuis 2000 à peu près. Voilà. Donc vous avez de quoi travailler, sauf que ça ne va pas venir. Comment ça se fait? Allez! Je peux le refaire de tête, mais ça va être lourd. Bah alors? J'ai téléchargé tout à l'heure en plus, mais sur mon téléphone. Bon bah allons directement, EDEC CE 2020, maths. Est-ce que ça ira plus vite? Je ne veux certainement pas le corriger. Ah bah comme quoi. C'est juste pour vous montrer qu'on va passer sur des choses vraiment... Alors voici un magnifique sujet de concours où alors je vais zoomer un tout petit peu. Ce qui nous intéresse nous c'est la question 6C. Regardez bien la question 6B, bon c'est des probas, on n'a pas encore fait. Établir ensuite que Y possède une espérance et que celle-ci est donnée par cette magnifique formule. Question C, en déduire que espérance de Y vaut n plus 1 P sur 2. Et il va falloir calculer cette somme, hein, il n'y a pas trop le choix. Donc est-ce que d'ici je peux arriver? Non, je ne peux pas le sélectionner d'ici. Donc 1 sur n, somme des k, i moins 1, k moins 1, p puissance i, q puissance k moins i. Allons-y. Donc exo. Alors, hop. Partir de l'autre côté, je sais plus c'est quoi, la somme à l'extérieur elle est sur k, la somme à l'intérieur elle est sur i. Oula non, je suis en train de faire la mauvaise, il y en a deux. Somme pour k égale 1 à n des k.
somme pour i égale 1 à k. C'était des i moins 1, k moins 1. Et il manque p puissance. Je suis où? P puissance i, q. Q puissance k moins i. Ceci est un 1. Q p puissance i, q puissance k moins i. Et voilà. Alors soyons clairs, il y a des petites choses là-dedans. Si je reprends 10 secondes le sujet, après on arrête. C'est pas mis, c'est des probas, c'est mis au-dessus, mais Q, c'est le complémentaire de P, c'est 1 moins P, on peut remplacer par 1 moins P à tout moment si on en a besoin. Et la dernière notation, c'est juste celle-là, je vais remonter un tout petit peu. Ouais, c'est parce qu'elle est en bord de page. Regardez la question 6A. Montrer l'égalité I. I parmi K égale K. I moins 1 parmi K moins 1. C'est quoi ça? C'est la formule du chef. Donc soyons clairs, bizarrement, il vous demande de prouver cette égalité-là qui est du cours. Alors on peut en faire la preuve de la formule du chef, je vais peut-être la faire vite fait pour qu'on l'ait vu une fois, j'en ai parlé pour certains en TD hier. C'est pas très très dur à faire. D'autant plus quand on vous rappelle la formule, c'est encore plus simple à prouver parce qu'on sait les symboles qu'il faut écrire, il faudrait vraiment juste écrire et voir que tout marche. Mais soyons clairs, si vous le mettez et que dans la ligne d'après, regardez la somme qu'on a à calculer. Il y a du k-1 parmi i-1. C'est qu'il faut l'appliquer. Ça, je vous l'ai dit, et on va repartir sur l'autre page, et je vais le redire, mais c'est toujours le cas. En fait, si je rentre le k à l'intérieur de cette somme, ici, si je fais passer ça à l'intérieur, j'ai bien une somme avec un terme où il y a des coefficients du binôme en i-1, k-1, qui sont multipliés par k. C'est typiquement un cas où on doit appliquer la formule du chef. Donc c'est juste que le contexte était normal, classique. Mais on vous le fait rappeler, on va le faire. Donc ils vous font prouver dans cette formule, hop, je repars très très vite. On va faire quand même la première question, i parmi k, ça fait k parmi k moins 1. Donc partons de ce membre-là. Imaginons que vous voulez faire la preuve de façon intelligente. La preuve bête, c'est très facile. Hein. Vous écrivez les deux termes sous forme de factoriel, vous simplifiez tout, les deux termes sont égaux. Donc en gros, plutôt que de prouver que A égale B, vous écrivez A, vous simplifiez tout ce qui est simplifiable, ça fait un terme C. Vous écrivez B, vous simplifiez tout ce qui est simplifiable, ça fait un terme C. La preuve marche. Là, on va le faire avec l'idée qu'il y avait derrière quand la formule elle est venue. L'idée, c'est que ça peut s'écrire I fois K factoriel sur I factoriel K moins I factoriel. Et là, vous devez voir une simplification qui est liée à la formule que je vous ai demandé en interro. Kautar ? J'ai pas compris. Les k factoriels, absolument pas. Il n'y a rien en k qui peut se simplifier. Samy ? Le i en haut et le i factoriel, on va pouvoir écrire ça, je fais une ligne intermédiaire, mais ça fait du i fois i moins 1 factoriel, k moins i factoriel. Ça fait du k factoriel sur i moins 1 factoriel, k moins i factoriel. Et là, si on veut vraiment une idée de ce qui se passe, c'est qu'en faisant ça, on vient de créer un problème. C'est que le dénominateur n'est plus symétrique en i. C'est-à-dire que dans la formule de base, la formule du coefficient du binôme, tout est symétrique. Il y a un k en haut, il y a un k moins i en bas, il y a un i en bas. Tout est symétrique. Ici, en faisant la simplification, il n'y a plus de symétrie. Bon, en fait, la symétrie, on va juste la rétablir artificiellement. C'est-à-dire que puisqu'en bas, il y a un i moins 1 factoriel ici, bah, je peux le rétablir, le i moins 1 ici, dans l'autre factoriel. Je peux remplacer le moins i par un moins i moins 1. Et dans ce cas-là, si je fais un moins i moins 1, ici, je suis obligé de mettre un k moins 1. Alors c'est écrit en tout petit, je vais essayer de zoomer un peu.
je vais le baisser pour arriver à le faire un peu mieux. Mais en gros, l'étape de calcul qui se passe entre ici et ici, c'est que j'écris que k moins i, c'est juste k moins 1 moins i moins 1. Donc je force le i moins 1 à apparaître d'une certaine façon. Ce qui permet de maintenant, j'ai rétabli la symétrie en i au dénominateur. Maintenant, j'ai bien du i moins 1 d'un côté et du i moins 1 de l'autre. Le problème, c'est qu'en haut, j'ai du k et en bas, j'ai du k moins 1. Donc j'ai perdu la symétrie entre numérateur et dénominateur sur le k. Ben, je vais la rétablir. Le k factoriel au numérateur, je peux le réécrire k fois k moins 1 factoriel. Donc ça, maintenant, à la ligne d'après, ça serait écrit k fois k moins 1 factoriel sur i moins 1 factoriel k moins 1 moins i moins 1 factoriel. Et ça, c'est exactement k fois, et puisque j'ai rétabli toute la symétrie, ça fait bien du k moins 1 parmi i moins 1. On peut l'obtenir de plein de façons différentes. Je voulais juste vous montrer l'idée qu'il y a généralement derrière ce genre de calcul. C'est vraiment l'idée naturelle de « Ah, je veux faire apparaître un nouveau coefficient du binôme, mais il est plus symétrique, je peux pas. » Donc je rétablis pas à pas la symétrie. Bon, c'est une preuve de la formule du chef, c'est pas ce qui est le plus intéressant ici. Allons-y, faisons les calculs de somme. Ah, donc maintenant on nous demande de calculer 1 sur n, somme pour k égale 1 jusque n, c'est ça, je remonte un peu, oui. Des k fois, somme pour i égale 1 à n, des i moins 1, k moins 1, p puissance i, et je vais remplacer le q directement par 1 moins p, ce sera plus pratique pour moi. Et c'est du k moins i de mémoire, je remonte vite fait pour vérifier, oui, c'est exactement ça. Donc soyons clairs, allons-y. Première chose à faire, on va rentrer pour une fois le k à l'intérieur de la somme pour pouvoir faire apparaître la formule du chef. Donc ça, ça va faire la somme pour k égale 1 à n, de la somme pour i égale 1 à n, du k fois i moins 1 parmi k moins 1, p puissance i, 1 moins p puissance k moins i. Oula. Ok. Maintenant, ceci, par la question, alors soit dans le sujet, par la question 6a, soit par la formule du chef. Ceci, ça peut être réécrit c'est du i fois k parmi i, p puissance i, 1 moins p puissance k moins i. J'ai fait une erreur de recopie, excusez-moi. Non, c'est pas ça l'erreur de recopie, c'est sur la borne du haut de la deuxième somme. Je vais l'effacer, je vais la reprendre, je suis désolé. C'est pas du n, sinon c'est pas une somme triangulaire, c'est une somme rectangulaire. Donc c'est pas du n ici. C'est juste ça, je vais le reprendre trois fois, je suis désolé. C'était du k. Oui. Fois q. Et q c'est 1 moins p, parce qu'on est dans un exode proba. Donc c'est juste pour nous limiter d'une lettre de plus, je l'ai réécrit 1 moins p pour qu'il y ait une lettre de moins. C'est juste ça. Alors je remonte. Oui, c'est bien ça. Alors, ah.
pourquoi j'ai encore pour la millième fois l'impression qu'il faut pas inverser les sommes. Ah non, voilà le problème. Ça y est, je l'ai. Alors, justement, c'est juste pour vous faire comprendre l'idée. C'est parce que on a quasiment la formule du binôme. Le seul truc qui est gênant pour la formule du binôme, c'est ce terme-là, on est d'accord ? À l'intérieur, ceci, c'est exactement la formule du binôme. J'ai un problème de borne ici. Ce qui fait qu'on ne peut pas l'appliquer directement. On va inverser les deux sommes pour voir ce qui se passe quand on inverse les sommes et voir ce qu'on peut calculer en premier et ce qu'on peut garder derrière. Allons-y. Hop. Donc, plutôt que d'écrire ça, maintenant, faisons notre inversion. Quelles inégalités je peux écrire pour les deux lettres ? K, il est compris entre 1 et N, et I, il est compris entre 1 et K. Elle est encore plus facile que tout à l'heure. Quelle quadruple inégalité vous pouvez écrire sur toutes les variables ? Noix ? Quelle formule ? J'ai pas compris ce que tu as dit, Noix. Par rapport au sujet de base, j'ai fait une erreur là-dedans. Non, je pense pas. Non, non, il n'y a pas d'erreur par rapport au sujet de base. La borne, bah là, c'est juste le sujet qui me donne ça. Ceci, c'est du cas. Parce que, c'est encore une fois, c'est ceci, c'est une somme triangulaire. Si tu regardes, quand k vaut 1, si je fixe dans la première somme, k égale 1, ma somme, elle va de i égale 1 jusqu'à 1 seulement. Quel cours ? La propriété 5 du chapitre 5. Allons-y. Attention, justement. Ce sont des... Oui, il y a du n en haut, certes, mais justement, c'est les bornes du bas qui intéressent aussi. La borne du bas, elle est passée de... Avant, il y avait du i égale 1, maintenant, il y a du i égale j à l'intérieur. C'est justement tout ça le principe d'inversion de double somme, c'est que les bornes du bas vont aussi changer. Il faut prendre tout en compte. D'où le principe d'inversion de somme double qu'on a fait ce matin. Donc, quelle double inégalité je peux écrire, Marie ? Que 1 est plus petit que i, c'est le même plus petit que k, c'est plus petit que n. Parfait. Maintenant, celle qui était à l'intérieur, c'était celle en i. Celle qui était à l'extérieur, c'était celle en k. Donc, je vais vouloir faire l'inverse. Donc, il me faut une inégalité sur i. I va être compris entre 1 et n. Et k, lui, va être compris, parce que je veux une inégalité intérieure sur k, k, il va être compris entre i et n. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe-là ? Donc, maintenant, ça nous donne que... Notre calcul de base, je ne vais pas tout noter, je l'appelle grand A, ce nombre. C'est juste pour pouvoir le pas tout noter. Grand A, c'est donc égal à la somme. Maintenant, c'est la somme, je mets I à l'extérieur. Donc, la somme pour I égale 1 à N. De la somme pour K égale 1 à N. Qu'est-ce que je fais ? Pardon. K égale I à n des i parmi k p puissance i 1 moins p puissance k moins i. Mais là, je vois pas ce que j'ai gagné à inverser mes sommes doubles. Elle est très bien faite, cette inversion de sommes doubles, mais je vois pas comment je vais la calculer, cette nouvelle somme.
C'est bien ce qui me faisait noter un doute dans cet exercice. J'ai voulu le reprendre vite fait en me disant que ce serait intéressant de faire une vraie question et j'ai pas remené tous les calculs et j'aurais dû. C'est bien ce que je pensais, j'avais pas besoin d'inverser les sommes doubles au début. Au moins on a refait une inversion de sommes doubles. Est-ce que vous êtes bien d'accord sur l'inversion des bornes qui se passera tout le temps comme ça?